Bienvenido, Philippe, y muchas gracias por darnos esta entrevista. En nombre de la red Reeducar, de los y las rectoras de universidades pedagógicas o de educación de América Latina y el Caribe, de la UNIPE, la Universidad Nacional de Pedagogía de Argentina, de igual manera de la Universidad Pedagógica de Colombia, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de Honduras, el Instituto Pedagógico Salomé Ureña de República Dominicana, el Instituto de Ciencias Pedagógicas de Cuba y la Universidad Nacional Pedagógica de México, en nombre de todos ellos y de esta red de la que hago parte como es rector emérito, quisiera agradecerle por esta entrevista que vamos a grabar justo para un evento que tendrá ocasión el 23 y 25 de junio, alrededor de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y si me permite, Philippe, presentarlo, aunque usted es una figura ya mundialmente conocida por sus libros que han sido publicados y traducidos en muchos idiomas, por sus conferencias, y en particular por su compromiso con América Latina y el Caribe, una región que usted visita frecuentemente, en particular el Ecuador, cuando estuve como rector y fue una de las personas importantes en la creación de esta universidad. El profesor Mérieux, además de su trabajo como intelectual, también es un militante pedagógico en el mundo y en particular en Francia, país de su nacimiento. Es especialista en historia de las pedagogías y si me permite, Philippe, es también una es ha sido mi maestro y es mi amigo y eso también quisiera señalarlo. Bienvenido, Philippe. Bonjour Freddy, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cet échange entre l'Amérique du Sud et la France, et très content de pouvoir partager les réflexions avec vous. Merci, Philippe. Bien, vamos a comenzar y quisiera hacer una pequeña referencia a la situación que vive el mundo en este 2020 alrededor de la pandemia y que nos ha tocado de diferente manera en todos los países. Una situación que ha afectado a la educación. Y de ahí mi primera pregunta, Philippe, en relación con qué ha sucedido en Francia, ¿no? Nosotros vimos que hubo un decreto del gobierno francés en relación con la continuidad pedagógica educativa. A ese respecto, quisiera conocer, Philippe, ¿cómo usted evalúa o ha podido evaluar ya esa situación que vivieron los maestros, las maestras, los estudiantes, sabiendo que hoy precisamente, por decreto también del presidente Macron, se ha decretado el desconfinamiento? Entonces, marca ya una fecha como para hacer una evaluación. Por favor. Nous avons vécu en France deux périodes différentes. Une période de confinement complet au cours de laquelle l'école s'est entièrement faite à distance et une période de déconfinement progressif
au cours de laquelle un certain nombre d'élèves ont repris le chemin de l'école. Le bilan le plus évident que nous pouvons tirer de ces deux périodes, c'est que ce soit dans la période du confinement ou que ce soit dans la reprise de l'école, ce qui s'est passé a accru considérablement les inégalités entre les familles, les inégalités entre les élèves. Pendant la période du confinement, nous avons eu un nombre important d'élèves qui ont décroché dans les premiers jours. Nous avons eu un nombre d'élèves significatifs qui n'ont pas pu se connecter parce qu'ils n'avaient pas l'accès à Internet ou bien parce qu'ils vivaient dans des conditions familiales extrêmement difficiles et qu'ils ne disposaient pas de la stabilité et de la sérénité nécessaires pour travailler. Il y a donc eu un nombre d'élèves significatif qui n'a pas pu suivre à distance les cours qui étaient donnés par les enseignants. Alors, les enseignants se sont beaucoup mobilisés, ils ont investi, ils ont mutualisé leurs ressources, ils ont fait des efforts considérables pendant cette période, mais néanmoins, dans les cas les meilleurs, on a eu 5% de décrochage, mais dans d'autres cas, dans les cas les plus graves, on a eu jusqu'à 70 à 80% de décrochage, c'est-à-dire d'élèves avec lesquels il n'y a eu strictement aucun contact. Alors déjà, nous disposons de résultats de recherche sur cette période du confinement. Un certain nombre de collègues, en particulier à l'Université de Bordeaux, ont étudié le comportement des familles et ont corroboré des observations que nous connaissions et que la sociologie de l'éducation avait mises en avant depuis de nombreuses années sur le fait que ce comportement était extrêmement différencié. C'est ainsi que les familles de milieux populaires ont investi cette période, ont voulu aider leurs enfants. Elles ne sont pas des missionnaires. Elles sont présentes, elles sont là, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Les codes scolaires leur sont radicalement étrangers et elles aident leurs enfants d'une manière qui n'est pas toujours très efficace. En particulier, elles vérifient si l'enfant a bien appris par cœur, si l'enfant a bien effectué d'une manière formelle son travail, mais elles ne les interrogent pas, ces enfants, sur ce qu'ils ont compris. Elles ne favorisent pas le développement d'une certaine forme d'autonomie. En revanche, dans les familles plus privilégiées, dans les familles plus aisées, on s'aperçoit que le comportement des parents est un comportement qui est assez en accord avec les codes scolaires utilisés d'une manière dominante. C'est-à-dire qu'ils partent avec les enfants, ils consacrent un moment de la journée à faire le bilan avec eux, ils les interrogent non seulement sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce qu'ils ont appris et sur la manière dont ils ont appris. Cet écart entre les comportements des familles était connu. Nous savions, les travaux de Basil Bernstein en Angleterre l'avaient particulièrement bien montré avec des analyses linguistiques extrêmement précises. Nous savions que le code restreint utilisé dans les familles des milieux populaires n'est pas en accord avec les codes scolaires. En revanche, le code élaboré, qui fait intervenir une part beaucoup plus importante d'abstraction et de réflexivité, est beaucoup plus à même d'aider les enfants. Mais cela, nous le savions, nous n'avions pas mesuré à quel point, quand on renvoyait la scolarité à la maison, eh bien, cela était particulièrement vrai et cela creusait considérablement les écarts. Et à la fin du confinement, dans les quelques évaluations que nous avons pu faire et dont nous disposons aujourd'hui, nous en avons les résultats, nous voyons qu'au regard des écarts traditionnels entre les élèves les plus en difficulté, le décile, les 10% d'élèves les plus en difficulté et les 10% d'élèves les plus en avance, les écarts ont été multipliés par 4 ou 5. C'est donc une multiplication considérable qui s'est effectuée là et qu'il faut évidemment prendre très au sérieux. Cela veut dire très concrètement que l'école française n'a pas su travailler avec les familles les plus éloignées des codes scolaires et qu'elle a un vrai travail à faire pour
se rapprocher de ces familles pour être capable de proposer à ces familles de participer à l'éducation de leurs enfants et d'entrer dans ce qui est inscrit dans la loi française mais qui n'est pas encore réellement mis en vigueur pour ces familles défavorisées, que nous appelons la coéducation entre l'école et les parents. Alors maintenant, si l'on regarde ce qui s'est passé au moment du déconfinement, une décision a été prise par le gouvernement, qui est une décision que je trouve pour ma part profondément regrettable. C'est une décision qui a consisté à laisser l'initiative aux familles en ce qui concerne le retour des enfants à l'école. C'est-à-dire que les familles ont décidé si elles voulaient ou non renvoyer leurs enfants à l'école. Et ce que nous avons observé a encore accru les inégalités, puisque ce sont les familles des milieux les plus populaires qui, par crainte de la contagion et de l'épidémie, mais aussi par éloignement matériel, psychologique et sociologique de l'école, n'ont pas renvoyé leurs enfants à l'école, et ce sont les familles les plus favorisées qui ont renvoyé leurs enfants à l'école. Et loin de scolariser les enfants qui en avaient le plus besoin, l'école s'est mise à rescolariser jusqu'à la semaine dernière les 20% d'enfants qui étaient les plus favorisés. Nous sommes donc devant une situation tout à fait forte et importante qui nous montre à quel point les inégalités entre les familles des milieux populaires et les familles des milieux privilégiés sont prégnantes dans l'éducation. Et à quel point, dès lors que l'on supprime l'obligation scolaire ou qu'on la médiatise à travers l'école à distance, eh bien, ces inégalités deviennent de véritables fractures, et des fractures qui s'accroissent avec le temps d'une manière considérable. Alors, la leçon que l'on pourrait tirer rapidement de cela, c'est évidemment que l'école, même si elle ne sait pas aujourd'hui résorber complètement les inégalités, et nous en sommes loin, par le collectif, par la présence simultanée des élèves dans la classe avec un maître, joue néanmoins un rôle d'atténuation des inégalités. Et il nous faut travailler sur la façon dont le collectif pourrait encore mieux et encore plus atténuer les inégalités et offrir aux élèves les plus défavorisés un enseignement qui leur soit adapté. J'ai moi-même effectué une enquête auprès des professeurs et des élèves de ma région, et même les élèves qui n'ont pas décroché, même les élèves qui sont restés très assidus et qui ont progressé à la fois dans le cadre du confinement par l'enseignement à distance et dans le cadre de la reprise de l'école, même ces élèves-là disent à quel point le déficit de collectif a été extrêmement fort pour eux. La solitude les a frappés de plein fouet. Se retrouver seul face à un écran, se retrouver dans une relation individuelle avec des exercices ou des procédures standardisées est complètement différent de ce qui se passe dans une classe où il y a effectivement un ensemble d'enfants qui travaillent en commun avec un maître qui est là, qui peut observer le comportement de chacun d'entre eux, qui incarne le projet scolaire et qui, par cette incarnation, se donne des chances d'appeler chacun des élèves au partage des savoirs. Appeler les élèves à partager les savoirs et à les partager d'une manière qui soit authentique ne peut pas se faire réellement à distance. Ça nécessite d'être dans le présent, d'être présent dans le présent. Et cette présence dans le présent, elle a fait défaut, elle a fait défaut à de nombreux enfants, corroborant ainsi les théories des psychologues cognitivistes depuis longtemps, celles de Piaget, de Vygotsky, de Vallon, qui montraient bien à quel point pour l'enfant, l'intelligence et la socialité intériorisée, il n'y a pas d'accès à l'intelligence et à la réflexivité sans passage par une socialité, pas simplement un rapport duel avec le maître, mais un rapport aussi avec le collectif, un rapport avec ses pairs qui envoient en permanence des messages qui permettent de corriger, qui permettent de s'ajuster, qui permettent de
d'exprimer de mieux en mieux ce que l'on veut exprimer et par là d'accéder à des savoirs de plus en plus élaborés. Donc oui, deux leçons me paraissent pouvoir être tirées de cette expérience, deux leçons à la fois très simples mais très fortes l'une et l'autre. La première sur le creusement des inégalités et sur l'enjeu essentiel qu'il y a à faire un travail à l'égard des familles les plus éloignées de l'école. Et la deuxième leçon sur l'importance du collectif, le collectif comme étant un outil fondamental pour la socialisation de l'enfant, mais aussi pour sa construction personnelle et le développement de son intelligence. Philippe, después de este tiempo y a partir de lo que acabas de señalar sobre la importancia que tiene la escuela en la atenuación de las desigualdades y en la construcción de la colectividad, incluso para el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje de los saberes, quiero pasar a en un segundo momento sobre los cambios que han acontecido, el changement. ¿Qué cambió ahora en las escuelas públicas? ¿De positivo, de negativo? ¿Qué piensa de esa fuerte cruzada que ya lleva, sobre todo que estuvo antes de la pandemia, a nivel mundial sobre las evaluaciones y las neurociencias? ¿Tú crees que eso va a venir con mucha fuerza ahora? Que algunos de los grandes problemas que tenía la escuela pública antes de la pandemia van a ser modificados o por el contrario nos espera un escenario bastante preocupante por la gravedad de la situación. Por favor. Je pense que rien n'est joué pour l'avenir et la sortie de cette crise extrêmement grave que nous vivons. Il y a de très gros risques et en France, peut-être parce que nous sommes un tout petit peu en avance sur le plan chronologique par rapport au déroulement de la pandémie, nous voyons pointer un certain nombre de ces risques. Alors, je vais en identifier quatre risques très importants pour l'avenir. Le premier risque, c'est celui de l'assujettissement au numérique. Bien évidemment, il n'est pas question de se passer du numérique. Le numérique est un outil extraordinaire, c'est un outil de communication à distance formidable. Mais le numérique est aujourd'hui aux mains d'un certain nombre de grosses industries qui privilégient d'une manière extrêmement forte des usages à la fois individuels et commerciaux. Usages commerciaux, bien sûr, et là, nous pouvons peut-être tenter de nous protéger à travers les protocoles que nous utilisons, mais usages individuels, et cela me paraît extrêmement grave. Il ne faudrait pas qu'à la suite de cette pandémie, nous pensions qu'il suffit, pour faire la classe, pour faire l'école, de programmer des exercices individuellement à chaque élève, aussi ajustés soient-ils, pour que ces élèves progressent et pour former à la fois des humains et des citoyens. Il y a un vrai risque à ce que le numérique sous sa forme la plus commerciale et la plus individuelle s'empare de l'école et remet en question précisément l'instruction, la transmission comme outil d'émancipation. Il y a un vrai risque que le numérique accroisse le danger de la pédagogie bancaire, au sens où Paulo Freire évoquait ce terme. Danger qui, me semble-t-il, est d'autant plus important que les GAFAM risquent de devenir les grands vainqueurs économiques de la pandémie. Et
Ce sont eux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui, y compris financièrement. Et ce sont eux qui risquent de nous dicter leurs lois. Or, la loi des GAFAM, c'est une loi de l'individualisation, de la concurrence et de la marchandisation des savoirs. Et cela me paraît quelque chose d'extrêmement préoccupant. Le deuxième élément, le deuxième risque que nous vivons en France aujourd'hui, c'est celui d'une sorte de repli sur ce que le ministère appelle les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire que face à un déficit de scolarité que nous avons vécu, il y a la tentation de dire, eh bien, choisissons ce qui est réellement important, choisissons les matières, les disciplines fondamentales, la langue, les mathématiques, les langues étrangères, et abandonnons pour un temps ou pour longtemps les disciplines artistiques, la dimension culturelle, la dimension d'éducation physique et sportive. Cela est en train de se passer en France. On voit des instructions ministérielles qui proposent aux enseignants de ne plus faire que la partie la plus académique du programme et qui proposent d'externaliser vers des associations, vers les municipalités, les collectivités territoriales, tout ce qui relève du sport, de la culture, de l'initiation et de la formation aux arts et à la citoyenneté. Alors, ceci me paraît extrêmement préoccupant. Pourquoi ? Parce que dès lors que l'on externalise cette partie des apprentissages, on renvoie à l'inégalité. À l'inégalité, dans la mesure où toutes les collectivités territoriales n'auront pas les mêmes moyens, les mêmes ressources pour proposer aux élèves ce complément culturel. Mais peut-être plus grave encore, on fait perdre du sens aux enseignements fondamentaux. C'est-à-dire qu'on revient vers une pédagogie purement scolaro-centrée, académique, où ce qui peut donner des perspectives anthropologiques, des perspectives personnelles et collectives au savoir, risque de disparaître. On va, au prétexte de rattraper le retard, on va demander aux enseignants d'accélérer l'acquisition du programme au sens strict en déconnectant ce programme de la réflexivité, de la culture, des interrogations des humains qui se sont posées les questions qui ont permis l'élaboration de cette culture. La culture sera ainsi écartée au profit de savoirs strictement scolaires, de savoirs strictement fonctionnels, qui sont ceux qui sont évalués par les comparaisons internationales. Il y a ce vrai danger qui consiste à minimiser et à externaliser la dimension culturelle, la dimension artistique, la dimension sportive, la dimension anthropologique des savoirs, pour se replier exclusivement sur la partie la plus académique. Troisième élément que nous voyons arriver aussi et qui va dans le même sens, c'est celui de la privatisation des formes de soutien individuel. Les parents sont inquiets, un certain nombre de parents ont vu leurs enfants décrocher, d'autres se demandent s'ils n'ont pas perdu du temps, et nous voyons bien qu'un certain nombre d'officines privées de soutien scolaire peuvent venir spéculer sur l'angoisse des familles pour vendre des programmes privés permettant, entre guillemets, de rattraper le retard. Cette privatisation, cette marchandisation du soutien scolaire, elle me paraît évidemment extrêmement dangereuse parce que loin d'atténuer les inégalités, elle les aggraverait considérablement. Et puis, le quatrième risque que je vois poindre aujourd'hui, c'est celui d'une prolétarisation encore plus grande des enseignants.
Au fond, ces enseignants qui se sont beaucoup mobilisés en France comme ailleurs ont aussi témoigné d'une forme d'inquiétude face à l'impréparation des gouvernements. Et je crains que nous assistions à une normalisation de plus en plus grande des processus d'enseignement-apprentissage et que cette normalisation qui s'appuiera à la fois sur les numériques et sur les neurosciences donne lieu à des dispositifs extrêmement contraints dont les enseignants ne seraient finalement à terme que les exécutants. Et toute la partie d'inventivité, toute la partie de réflexivité, toute la partie d'imagination à la fois individuelle et collective des enseignants serait à ce moment-là extrêmement remise en question. Et cela constituerait pour moi un appauvrissement considérable, bien sûr, de leur professionnalité. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons basculer dans ces risques, risques de du tout numérique individualisé, risques du productivisme scolaire et de l'externalisation des savoirs culturels et artistiques, risques de la privatisation, risques aussi de la prolétarisation des enseignants. Il nous faudra être extrêmement vigilants pour ne pas basculer dans ces risques-là et pour construire une école publique qui soit à la hauteur des défis qui sont apparus pendant cette période de la pandémie. Muy claro, Philippe, sobre los cuatro riesgos que corremos con el señalamiento que haces al inicio de que, en todo caso, nada está definido por el futuro, ¿no? Lo numérico, el repliegue sobre los saberes fundamentales, la privatización de las formas de acompañamiento de los chicos, las chicas, y la precarización de la docencia, de los maestros y maestras. Sobre esto quiero entrar ya en la última parte de la entrevista, que son los desafíos que tú puedes ver. ¿Cuáles son los grandes desafíos para la escuela pública ya en este momento de la pospandemia, ¿no? Los desafíos para los maestros, para los estudiantes, para los padres de familia. ¿Será quizás este el momento de que podamos nosotros pensar en otra educación, en otra escuela? Hay un texto que recorrió América Latina también y el mundo, ¿no? De Francesco Tonucci, que él abre esta posibilidad. Me gustaría conocer cuáles son los desafíos que estás viendo en este momento. S'il y a quelque chose que ce moment de la pandémie a bien montré, c'est l'extrême fragilité des humains, mais aussi l'extraordinaire solidarité que les humains ont entre eux. Et je pense que le véritable défi pour l'avenir, c'est de savoir ce que nous allons faire de cela, de cette fragilité, de cette solidarité. Est-ce que nous mettrons l'école au service de la solidarité ? Ou est-ce que nous la mettrons au service d'une concurrence exacerbée entre les individus, de l'individualisme, voire de formes de repli sur soi de plus en plus radicaux? Je crois que cet enjeu de la solidarité est absolument fondamental et il va se décliner dans tous les systèmes scolaires, à la fois dans l'organisation, dans la gestion et dans la pédagogie. Dans l'organisation d'abord, il me semble qu'il est temps de reconsidérer la répartition des fonds au sein des systèmes scolaires. Aujourd'hui, dans le monde entier, l'essentiel des fonds va aux élèves qui sont déjà favorisés.
Il faudra se demander si, à l'avenir, il ne faut pas répartir autrement les subsides que l'on offre à l'école et privilégier d'une manière beaucoup plus forte les publics qui sont les plus défavorisés. Solidarité dans la gestion. Nos systèmes scolaires vivent une gestion très souvent pyramidale et autoritaire. La pandémie a montré que les enseignants pouvaient solidairement construire quelque chose entre eux. Il va falloir, je crois, réfléchir à un mode de gestion qui promeuve la possibilité pour les enseignants de ne plus dépendre d'une hiérarchie caporalisante, mais qui leur permette d'être acteurs en équipe, d'être acteurs ensemble dans l'institution. Et puis solidarité, évidemment, dans la pédagogie, par une pratique systématique de l'entraide entre élèves, qui est, je crois, un enjeu absolument fondamental, qui n'est pas simplement un enjeu éducatif, qui est un enjeu civilisationnel, qui est un enjeu au niveau de l'avenir du monde. Est-ce que l'école sera capable de faire de l'entraide et de la coopération entre élèves un dispositif non pas accessoire que l'on rajouterait à côté des cours, mais le cœur même de la machine école? Est-ce que nous serons capables de mettre l'entraide et la coopération au cœur de l'école? Je pense que c'est quelque chose qui est devant nous et qu'il nous faut construire. Alors pour cela, je dirais volontiers qu'il nous faut profiter de la crise, et Tonucci a raison de dire que c'est une occasion pour repenser l'école de l'avenir, profiter de la crise pour revisiter ce qu'on appelle la forme scolaire. La forme scolaire, c'est la classe dans sa situation traditionnelle, composée d'une trentaine d'élèves ou d'une cinquantaine d'élèves, censés être du même niveau, du même âge, et faire tous toujours la même chose en même temps. Cette forme scolaire, elle est obsolète aujourd'hui, elle a été construite au XIXe siècle, elle s'inscrivait à l'époque dans le cadre d'un mouvement civilisationnel qui a produit aussi le taylorisme, hein, et la division du travail, mais elle me paraît ne plus correspondre aux besoins de formation à la fois au savoir et à la solidarité des jeunes d'aujourd'hui. Revisiter la forme scolaire, c'est peut-être accepter la valeur de l'hétérogénéité. L'hétérogénéité n'est pas simplement un problème, c'est quelque chose qui peut être utilisé comme une richesse pour susciter l'entraide, pour susciter les interactions et pour permettre aux élèves de travailler entre eux en s'enrichissant réciproquement des ressources dont ils disposent. Cela, ça me paraît un pas très important à faire. Nous avons supprimé en France, par exemple, depuis plusieurs années, les classes que nous appelions multiniveaux, c'est-à-dire les classes avec des élèves d'âges différents. Eh bien, je pense que nous avons eu tort et qu'il ne faut pas continuer dans le taylorisme scolaire à courir après des classes de plus en plus homogènes. Il faut mettre en place, sur une partie du temps scolaire au moins, des classes verticales, des classes dans lesquelles il y a des élèves d'âges différents, il y a des élèves de niveaux différents, il y a des élèves de besoins différents, et des classes dans lesquelles ces élèves-là vont s'entraider et travailler ensemble. Ils vont accéder ensemble à des savoirs communs, tout en assumant chacun leur singularité. Je pense que l'école aujourd'hui a assumé cette dialectique du commun et du singulier. Chacun est singulier, il est à considérer avec sa trajectoire personnelle, à être aidé pour se développer, et en même temps, tous ces individus qui sont singuliers chacun peuvent accéder ensemble à des savoirs communs dès lors qu'ils participent d'un collectif où l'entraide et la coopération sont la clé de voûte de l'organisation. Il y a donc là quelque chose qui pour moi est fondamental dans l'école et qui doit modifier radicalement aussi, je crois,
le rôle d'un enseignant qui serait un maître tout-puissant. Je ne crois pas, bien sûr, qu'il faille supprimer l'autorité de l'enseignant. L'enseignant a une autorité, c'est l'autorité du savoir. Ça n'est pas une autre autorité que l'autorité du savoir. Et cette autorité, il la met au service des élèves, il la met au service du collectif, et il la met au service de l'activation des solidarités entre les élèves. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'absolument fondamental et essentiel, former nos enseignants à activer les solidarités entre les élèves. Former nos enseignants aussi à ce que le partage des savoirs soit finalement un des enjeux les plus importants de l'avenir, le partage des savoirs dans la classe, mais aussi le partage des savoirs entre la classe et la société. Je trouve qu'il y a beaucoup de savoirs dans la société, dans les environs de l'école. Il y a des savoirs professionnels, il y a des savoirs culturels, il y a une multitude de savoirs qui pourraient être partagés si on activait les liens intergénérationnels, par exemple, beaucoup plus. Si on faisait rentrer les professionnels un peu plus dans l'école pour qu'ils puissent témoigner de leur métier et dire comment dans leur métier ils utilisent certaines connaissances. Hein, l'ébéniste ou le menuisier, il utilise la géométrie, de même que l'avocat utilise la langue, de même que l'agriculteur utilise la biologie. Eh bien, faisons venir ces personnes-là dans l'école, non pas pour se substituer aux enseignants, mais pour témoigner du fait que les savoirs scolaires ne sont pas simplement des épreuves sur un parcours du combattant. Les savoirs scolaires sont des savoirs vivants, des savoirs élaborés par des humains et qui s'échangent entre les humains, des savoirs qui peuvent permettre à chacun de trouver sa voie et d'avoir une place dans le monde. Et puis, je terminerai en disant qu'il nous faut trouver de nouveaux équilibres entre les trois dimensions que le grand pédagogue suisse Heinrich Pestalozzi pointait déjà au XVIIIe siècle, hein, quand il disait que l'éducation devait donner sa place à la fois à la tête, au cœur et à la main. La tête, le cœur, la main, trois choses qui ont toutes les trois leur place dans l'éducation et dont aucune ne doit effacer les autres. Aucune ne doit être hégémonique. Bien sûr, il faut la tête, bien sûr, il faut réfléchir, il faut développer la réflexivité, mais il faut aussi le cœur au sens de l'empathie. La capacité à se mettre à la place de l'autre et à souffrir de ses propres souffrances pour pouvoir agir de manière solidaire avec lui dans le monde. Et il faut la main parce que la main n'est pas l'adversaire de l'intelligence, c'est au contraire ce par quoi nous travaillons les objets, nous faisons l'apprentissage de la résistance de l'objet et nous faisons l'apprentissage du dialogue entre ce qui nous résiste et ce que nous, nous voulons faire du monde. Alors voilà quelques idées très rapidement exprimées. Et en conclusion, peut-être, je dirais, parce que c'est une thèse qui me tient à cœur aujourd'hui, que cette pandémie a remis plus que jamais sur le devant de la scène la question de la démocratie. Nous voyons que la démocratie, ça n'est pas, et nous le savions avec ce qui se passe au Brésil, avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Europe, n'est pas à l'abri d'un certain nombre de dérives. Nous savions qu'il pouvait y avoir dans les démocraties des dérives plus ou moins préoccupantes et qui sont gravement attentatoires à la fois aux personnes, aux libertés publiques et aux biens communs. Eh bien, il nous faut, je crois, prendre en compte dans l'éducation de demain cette formation à la démocratie. Former à la démocratie, c'est former nos élèves à deux choses indissociables, qui sont la capacité de penser par soi-même et la capacité de construire du commun entre eux. La capacité de penser par soi-même, c'est
le fait de sortir de la certitude, des fausses croyances. C'est le fait de mettre en dialectique en permanence ce que l'on croit avec ce que l'on apprend et ce que l'on sait. C'est le fait de s'interroger plutôt que de camper dans des certitudes doctrinales ou doctrinaires qui sont souvent des schématisations qui manipulent les clichés comme ceux du bouc émissaire. Penser par soi-même, c'est accéder à cette interrogation permanente sur la légitimité de ce que l'on croit et ne pas s'enquister dans des croyances qui sont des croyances identitaires au plus mauvais sens du terme, parce qu'elles nous enferment au lieu de nous permettre d'aller chercher ailleurs. Penser par soi-même, c'est cela, mais penser par soi-même dans une démocratie n'est pas suffisant. Ce qui caractérise une démocratie, c'est à la fois que chaque sujet est capable d'y penser par soi-même, mais que le bien commun n'est pas la somme des intérêts individuels. C'est-à-dire que chacun doit à la fois penser par soi-même et en même temps être capable de se confronter aux autres et de passer de la perception de son intérêt individuel à la perception du bien commun. Le bien commun, c'est pas facile à trouver, ça n'existe pas a priori, ça se construit. Ça se construit par l'écoute, ça se construit par le travail collectif, ça se construit par la coopération entre des sujets. Et faire de l'école un outil où l'on travaille sur le bien commun me paraît aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que je voudrais que dans toutes les classes, il y ait des conseils d'élèves où les élèves puissent exprimer leurs propositions et découvrir que les propositions de l'un ne peuvent pas s'imposer aux autres indépendamment de la définition du bien commun que l'on va travailler ensemble. Ce travail sur le collectif, sur le commun, ce travail sur l'avenir du commun est un travail absolument fondamental. Que nos enfants, en sortant de l'école, pensent par eux-mêmes, mais qu'en même temps, ils aient acquis cette capacité à construire du commun, ça me paraît un enjeu essentiel parce qu'il n'y aura pas d'avenir du monde dans l'individualisme, dans les clans, dans la guerre entre les replis sur soi, qu'ils soient communautaristes ou nationaux, il n'y aura d'avenir que dans le commun au sein de notre terre commune, de notre terre patrie. Et c'est cette terre patrie qui s'est rappelée à nous à l'occasion de cette pandémie et pour laquelle j'aimerais que l'éducation fasse l'effort de former nos élèves. Voilà. Bueno, Philippe, después de este recorrido extraordinario sobre todas tus verdades alrededor de la pandemia, de los hechos, de los cambios, de los desafíos, lo único que me queda es agradecerte en nombre de los y las rectoras. Seguramente este video que será estrenado o visto el 23 de junio, no solamente lo verán las universidades de América Latina y el Caribe, sino también muchos ciudadanos, ciudadanas, y tengo entendido también que algunos ministros, secretarios de Educación de América Latina. Por lo tanto, ya para cerrar, me gustaría pedirte que un mensaje tuyo de cierre de esta maravillosa entrevista por la que estamos muy agradecidos. Merci et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et de détermination pour faire face à la situation difficile dans laquelle nous sommes et pour faire que de cette crise sorte le meilleur de ce que nous pouvons donner, c'est-à-dire toujours plus de solidarité au service d'un monde toujours plus humain dans lequel on partage ces richesses infinies que sont les savoirs et les connaissances, plutôt que de lutter pour s'approprier les richesses finies que l'on pille dans la nature. Il y a là un enjeu absolument fondamental pour moi. Il faut que nos enfants découvrent qu'il y a plus de plaisir à apprendre, à comprendre, à connaître, à partager,
à travailler intellectuellement, à faire la fête et à se rassembler plutôt qu'à être dans la concurrence pour consommer toujours plus et piller la planète jusqu'à sa destruction. Oui, il y a du plaisir dans l'activité intellectuelle, il y a du plaisir extraordinaire dans la capacité à vivre ensemble et à vivre ensemble dans la paix et dans la sérénité. Et je crois que si nous apprenons cela à nos enfants, l'éducation aura montré qu'elle peut encore quelque chose. Nelson Mandela disait il y a quelques années que l'éducation était l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Je ne sais pas si c'est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Je pense que l'économie est évidemment tout à fait déterminante, que la politique, les enjeux internationaux sont absolument essentiels. Je ne sais pas si l'éducation peut tout, mais je pense, comme le disait Adorno, que nous devons croire que l'éducation peut quelque chose dans l'avenir du monde. Nous devons croire que l'éducation peut quelque chose dans l'avenir du monde et nous devons y prendre notre part. Voilà, bon courage à toutes et à tous et à bientôt. Merci Philippe. Merci beaucoup.